du palais et voir le monde. C'est sans danger? Oui, vous avez confiance en moi. Quoi? Vous avez confiance en moi? Oui. Je vous jure les gars, quand je regarde les extraits de Disney comme ça, en vrai je me dis, je parle beaucoup aux garçons, parce que nous les filles on a, même si par exemple moi par exemple de base je pars une romantique, il y a des trucs qui font plaisir. Et en fait, certains garçons, je comprends pas pourquoi vous faites pas les efforts avec vos copines de faire des petits trucs mignons comme ça qui peuvent les rendre genre waouh, parce que vraiment... Genre, vous créez votre belle histoire. Moi, je sais que dans les relations que j'ai eues, au tout début, ils ne comprenaient pas cette façon de penser. Ils me disaient, ah, mais Léna, t'es pas dans un film. Mais c'est à toi de décider si t'as envie que ta vie soit un film ou pas. Et c'est à toi de décider si tu veux que ta vie soit un beau film ou un film de merde, un vieux film français où tu te regardes dans le long des yeux à la maison. Donc, du coup, voilà, c'était ma petite phrase du soir pour tous les garçons qui regardent cette story. N'hésitez pas à faire plaisir à vos copines. Vraiment, je vous jure, un petit geste, ça fait extrêmement plaisir. Vous avez passé une bonne soirée, vous avez passé des bons moments et il n'y a rien de mieux. Aujourd'hui, je suis contente parce que c'est une petite fierté perso. Vous savez qu'à chaque fois que je me maquille, j'utilise quasiment tout le temps les produits MAC cosmétiques parce que, bah, moi, vous savez, moi, je suis dans la cosmétique depuis que j'ai 18 ans, donc je suis quand même très pointilleuse sur les produits que j'utilise, ne serait-ce que pour le teint, pour plein de choses. Enfin, je suis chiante, franchement. Et MAC, c'est là où je m'y retrouve tout le temps. Enfin, je dirais que 80% de mes produits de maquillage proviennent de chez MAC. Moi, je me fournis souvent à la boutique sur la piétonne pour ceux qui habitent sur Nice parce que l'équipe est top. Voilà, donc d'ailleurs, si vous habitez sur Nice, je vous conseille d'aller là-bas. Et là, je suis très contente, donc du coup, fierté perso parce que je suis en collaboration avec la marque directement, MAC Cosmétiques. Donc, voilà, sachant que c'est des produits que j'utilise depuis longtemps, franchement, je suis très contente. À l'occasion, je vous ai filmé du coup une petite vidéo avec les produits qu'ils m'ont envoyés. Et c'est à l'occasion en fait de la sortie du fixateur qui est hydratant et glow avec des petites nacres à l'intérieur. Donc, vous allez voir ça. Et il est offert pour 30. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que t'as pris au petit-déj, toi, alors? Des céréales, de la raclette et deux clopes. Super. Bonjour. Bonjour. Je viens de rentrer à la maison. Je vous présente juste quelque chose. J'ai été super choquée parce que j'ai relu genre style trois fois mon brief parce que je n'en croyais pas mes yeux. Parce qu'à chaque fois, c'est vrai que les influenceurs, on est tous là, truc de ouf et tout, offre de ouf. Bon, après, généralement, c'est quand même des offres de ouf, hein, je vous assure, parce que quand on négocie avec les marques, la plupart du temps, on nous propose quand même un moins 10%. Donc, quand on arrive à des moins 50, des moins 70, c'est quand même qu'il y a un petit peu de négo derrière aussi. Bref, là, j'ai été choquée. En gros, c'est une box, donc que ce soit pour la fête des mères, pour vous-même, etc. Donc, je vous la montre. C'est Mélusine qui fait ça. Je suis choquée. En gros, je vous explique. Après, je vous montre les produits. Mais globalement, vous allez... Donc, c'est une box qui vaut 120 balles. Vous la payez 24 euros. 24 euros. Donc ça, tout ça, je vais vous montrer. 24 euros. Vous avez un gua sha. Vous avez un rouleau de jade. Vous avez une crème. Vous avez un gommage. Un bracelet en quartz rose. Et vous savez, ça, c'est des petites lingettes que vous trempez dans l'eau et ça vous démaquille. Enfin, truc de ouf. Donc voici ce que contient le coffret. Je sais pas si vous vous rendez compte que ça, tout ça là,
24 euros. Vraiment, moi, ça me choque. Hein. Je suis très, très choquée. Donc là, vous avez le bracelet en quartz rose. Vous avez une crème au chanvre, graines de sésame et aloe vera. Sachez que c'est très, très bien pour l'acné. Pareil, le gommage chanvre et pain d'épices. Donc ça, c'est la fameuse lingette que vous trempez dans l'eau et en fait, ça vous démaquille. Ensuite, vous avez donc le rouleau de jade, le gua sha. Je vous montre comment fonctionne un gua sha. Le gua sha, je sais très, très bien comment ça fonctionne parce que fut un temps, j'avais été formée pour une marque en fait qui utilisait beaucoup ça en fait dans leurs soins. Et donc du coup, je faisais des soins avec le gua sha. Donc du coup, je sais pertinemment comment ça fonctionne. En fait, c'est pour vous affiner le visage, pour drainer. Donc là, par exemple, la mâchoire, vous allez prendre comme ça et hop, vous dégagez en fait. On suit en fait tout simplement le système lymphatique. Et là, pareil, hop. En fait, avec ces gua sha, en fait, le but, c'est vraiment de tac, 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 et hop, on dégage. En gros, on fait circuler et avec ce type de massage, en fait, vous permettez à votre visage de s'affiner. D'ailleurs, je devrais le faire plus souvent parce que c'est vrai que j'ai gonflé du visage. Et du coup, t'aimes le fromage ou t'aimes pas le fromage? Et merci beaucoup. Bonne soirée. Pas, mais en fait ce soir c'est trop cool parce que sur 3 en fait il y a David Boisson, mon pote que j'ai vu la dernière fois sur Nice, et du coup il est sur 3, donc je me suis dit que j'allais lui apporter un petit truc à grignoter avant son spectacle. Moi je sais, je suis sympa, et quoi de mieux que au tacos parce que c'est trop bon. Et voilà. Est-ce qu'il va pas se régaler le petit? Bah, je trouve que avant de monter sur scène au tacos c'est une excellente idée. Merci beaucoup les gars. Par contre, vous me connaissez, je ne peux pas apporter un plat sans piquer un petit peu dedans. En plus, j'ai demandé grave de sauce fromagère parce qu'elle est archi bonne chez eux. Normalement, j'aime pas trop. Mais chez eux, j'avoue qu'elle est vraiment, vraiment très, très bonne.